Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on se retrouve sur le prologue avec cette fois-ci, cette année, pas mal de modifications pour 2015. On est à un endroit précis d'ailleurs que les pilotes vont reconnaître forcément. Ben oui, il vaut mieux qu'ils le reconnaissent. Oui, on a deux modifications importantes, on va dire, par rapport à il y a 2 ans sur le prologue. Je peux vous montrer d'ailleurs la première ici. Donc on a enlevé 400 mètres de goudron à la ferme Barretschenborn. Et on a créé carrément une piste terre en descente qui peut s'avérer glissante par temps de pluie. Habituellement, quand on arrive à la ferme Barretschenborn, on fait un 180 ici et on partait de suite à gauche pour faire une petite ligne droite et retrouver 400 mètres de goudron en descente qui finissait par une épingle droite pour rentrer dans un champ. Donc maintenant, on a créé une piste. Donc on a ouvert carrément une piste pour éviter ce goudron. Bon, on avait deux problèmes à ce goudron. Tout d'abord, il desservait la ferme Barretschenborn. Donc on bloquait pendant 4-5 heures l'accès à la ferme. Donc c'était un peu problématique. Et au niveau des secours, ça nous permet d'amener les secours beaucoup plus en amont au niveau de la spéciale. Donc voilà, c'est un projet qu'on a depuis 4 ans, mais qu'on n'a pas fait parce que ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et on avait fait tellement de modifications sur ce prologue que ça, c'était peut-être le dernier gros travail pour améliorer ce prologue. Et on a décidé de le faire cette année. Voilà, donc, alors, c'est très spécial parce que je vais vous montrer la piste, vous n'allez pas la voir, mais ça donne une image de la végétation. L'ancienne piste du rallye, elle est là, donc vous la voyez, c'est dans les Ronces ici. Carrément, donc celle-là, elle a été ouverte il y a 2 ans, donc vous voyez, quand le rallye passe pas, et bien la végétation reprend son droit et les pistes disparaissent, donc c'est bien qu'on soit là pour entretenir les pistes. Bon, ici, c'est chez un particulier, donc ça pose pas de problème, mais comme sur Irati, sur d'autres pistes, si on n'y va pas, un an après, voire deux, il n'y a plus la piste, quoi, c'est fermé. Donc nous, c'est ici, c'est tout droit. On a ouvert donc une belle piste avec une belle descente que je vous propose qu'on fasse en 4x4. D'accord, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de travail là quand même pour réaliser une piste. Oui, ouais, il y a eu 4 jours de pelle. Ah ouais. Oui. Voilà, donc le paysan ici c'est Camille qui est pelliste, donc il nous a fait une partie du travail, mais par contre on a dû amener un brise-roche parce qu'on est tombé sur des gros cailloux, des rocs même, et c'était pas du tout prévu qu'on en ait, donc ça augmenter le délai du chantier de 2 jours de plus. Alors là, c'est un petit peu plus qu'une remise en état quand même. Mais oui, j'espère que ça va durer plusieurs années parce que ouais. Pour la rentabiliser, il va falloir que ça tourne. Oui. Oui, oui. Ça a été une ouverture totale d'une piste, en fait. Voilà, ça a été l'ouverture d'un tronçon, quoi. Mm-hmm. Ouais, quelle a été la difficulté majeure? Bon, il y a un petit peu de rocher, mais bon, ça a été dans l'ensemble, ça a été, oui, à peu près. Oui. Beaucoup de rochers, quand même, non? Beaucoup, un petit peu, bon, par endroit, c'est localisé, mais... Ouais. Vous êtes un fidèle de l'écurie. Et le jour J, ça se passe comment? Vous venez en bord de piste? Ben, en principe, oui, du vendredi au dimanche soir, le vendredi, je suis au prologue, et le samedi, en général, sur l'Irati. Des envies de prendre le volant de temps en temps? Bon, maintenant non, peut-être un temps oui, mais maintenant non. On a un petit chouchou parmi le palmarès des cimes. Les locaux quoi, les locaux, on est bien content quand ils font des bons résultats. Alors on va croiser les doigts pour cette année en 2015 encore un local en haut de la Madeleine. Voilà. Bonne journée. Ouais, merci. La nouvelle piste qu'on a créée, ici c'est tout droit, et on a fait un aménagement d'un poste de commissaire au-dessus de la piste là-bas plus à droite, comme ça bon, il surveille la descente s'il se passe quelque chose ou non. Hein. Ça a rajouté du kilométrage sur le prologue ou non, pas? Non, 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 c'est à peu près pareil, même un peu moins, mais c'est plus technique par contre. Hein. Voilà, donc là, ben, quand on a ouvert, on n'a pas eu de problème. C'était très bien, ça allait très vite, on était très contents. Et à partir d'ici, ben, vous le voyez à gauche, on a trouvé du rocher en pagaille. Donc il a fallu faire venir un gros brise-roche, mais bon, c'est fait. Là, vous voyez, la piste est large. Donc ici, on a une première descente qui est assez pentue, mais bon, vous voyez, il y a des talus sur le côté, donc ça ne présente pas de danger. C'est sûr que s'il pleut, ça glissera, puisqu'on n'a que de la terre. Mais il faudra bien venir reconnaître, il n'y aura pas de problème. Donc une première épingle gauche qui est large. Et on va partir sur une seconde descente un peu plus technique, puisque
On l'a fait un peu plus sinueuse pour pas que les véhicules prennent trop de vitesse. Donc ça descend très bien. Voilà, c'est un enchaînement de petits virages. Il y a de la pente, hein? Oui, il y a de la pente, mais c'est le rallye des cimes, hein. C'est pas un rallye de plaine ici, c'est un rallye de montagne. Hein. Et donc ici, par contre, on a fait un petit obstacle volontairement, comme une petite chicane, parce que si on l'avait ouvert, là-bas, il y a une remontée avec un saut de bosse, et je pense que les premiers se seraient envolés, comme on ne veut pas qu'ils s'envolent. Même avec cette petite chicane, ils risquent de s'envoler, donc ça ralentit ici. Et là, par contre, on est plein gaz. On remonte sur le passage de Buse, et là, je pense que ça va sauter. Pas pour moi, mais pour les pilotes. Voilà. Ici. Et on reprend un chemin qui était existant à partir d'ici et qu'on a voulu sinueux aussi, qu'on a modifié par endroits pour limiter la vitesse. Donc c'est roulant mais c'est technique. Et on va se retrouver à l'embranchement de l'ancien chemin. Exactement, du je vais vous montrer par où on venait avant. Donc ici aussi on a fait une déviation pour ne pas aller tout droit, pour ralentir toujours. Voilà. Et en bas, on a créé une petite piste ici, en bas du champ, pour laisser le champ aux paysans, pour pas que les pilotes coupent et ils abîment tout le champ. Quoi. Parce que ça, c'est important aussi, de pouvoir passer tous les ans ou tous les deux ans, et d'être en accord avec le paysan et de respecter tout son travail au niveau de champ. Image rare pour une fois, nous sommes à côté d'un propriétaire. Nous sommes sur le prologue de ce Rallye des Cimes 2015 avec les travaux, donc avec les aménagements sur ce prologue. On est chez vous, sur vos terres. Merci déjà de nous accueillir. Ça veut dire que quelque part, vous aimez le Rallye des Cimes. Oui. C'est quelque chose que vous suivez depuis longtemps? Oui, il y a facilement 15-20 ans, facilement, oui. Oui, oui. Ah oui, oui, donc... oui, oui. À l'époque, quand on avait les vaches à Alsaï, on suivait au-dessus, là où il y a le restaurant. À Husky. À Husky, voilà. J'allais voir la spéciale là-bas. Et... Vous aviez imaginé qu'un jour vous auriez une spéciale là, non. Chez vous? Non, j'aurais jamais dit ça. Non. Ça veut dire en plus que vous êtes aux premières loges? Oui, aussi. Bon. Oui, c'est grâce à Laurent Etchetto, lui, qui avait trouvé le chemin de muletier là-bas en haut. Bon, ben là, cette fois-ci, l'aménagement pour 2015 est absolument magnifique. Oui. Il devrait y avoir du spectacle là. Oui, et très roulant. Donc voilà, la modification 2015 est finie. Habituellement, donc une fois qu'on prenait le goudron, on revenait ici sur la gauche. Et là, nous, on revient sur la droite et on rentre dans le sous-bois. Donc là, on retrouve la même partie qu'avant. Voilà, on rentre dans le sous-bois. Alors comme je vous disais, tant qu'on avait la pelle là, avec le brise-roche, on a profité de faire un peu plus de travail. Donc là où on a quand même amené, vous le voyez pas, 20 tonnes de gravats, parce que c'était une zone qu'on avait assez marécageuse. Hein. Vous voyez, on le voit encore ici. Et comme on avait le brise-roche, on a rangé le passage à Nes ici après le pont, qu'on avait déjà rangé il y a 2 ans, mais qui méritait un final un peu plus affiné. Et tout en haut, là, on a cassé tout le caillou qu'il y avait. Vous allez voir les grosses dalles sur le côté. Donc, il en reste ici. Mais ça fait une sortie beaucoup plus propre et plus harmonieuse. Hein. Tant qu'à avoir la pelle, on fait le maximum de travaux puisque ça nous coûte moins cher. Et voilà. Et là, on revient sur l'ancien prologue pour arriver à une traversée de route qu'on appelle les canards. Hein. Voilà. Donc là, on arrive au niveau de la... Seconde modification, mais on n'y est pas encore, c'est au niveau du bois de Mendiald, au-dessus de la zone industrielle de Montléon. Bon, tu peux voir que c'est pas tout à fait prêt et nettoyé, mais on fait exprès de nettoyer au dernier moment pour pas que les gens passent trop sur les spéciales et qu'il y ait trop de désagréments avec les riverains. Hein. Donc les épareuses doivent passer. Donc ici c'est classique, c'est ce qu'on prend tous les 2 ans. Une descente qui pose pas trop de problèmes, même si c'est mouillé. Voilà, il y a 2 ans, on rentrait par ici, donc en bas du champ, et on avait évité cette fameuse chicane. Donc on voit l'ancienne piste ici qu'on avait ouverte, à droite.
Et le propriétaire du terrain n'a pas voulu, du champ, donc on revient comme il y a 4 ans. On rentre par le haut du champ, par contre on ne va pas mettre cette chicane qui nous a posé tant de problèmes par le passé. Hein. Donc ici c'est l'entrée du champ par le haut, en 90 droite. Donc c'est pas nettoyé puisque ça sera nettoyé au dernier moment, vous inquiétez pas, ça sera propre. Là on va arriver sur une chicane naturelle entre les arbres, qui est assez étroite. Voilà, ici c'est très étroit. Et là on va entamer la descente. Voilà, moi je ne vais pas vite, mais eux, ils lâchent les chevaux. Et donc on conserve la même zone publique aussi, oui, là. Oui, oui, la même zone publique à droite. Habituellement la chicane était à cet endroit. Il y avait une chicane ici. Et là ils iront tout droit. Et au bout, pour les faire tourner, on met un ballot de paille. Qui ne sera pas trop près de la haie, puisqu'il faut quand même leur laisser une zone pour décélérer, pour qu'ils enclenchent le virage. Sinon, ils vont aller embrasser la haie et ça ne va pas le faire. Voilà, on aura le ballot de paille à peu près par ici. Ça tourne, on repasse entre les deux arbres, on passe sur un empierré et on repasse sur le champ du bas. Et là, c'est pareil, mais il y a 2 ans, on avait enlevé également la chicane. Donc là, en bas, c'est comme il y a 2 ans. Il n'y a pas de chicane et il faut qu'il le gère puisqu'il y a un 90 gauche au pied de la descente. Mais il y a 2 ans, sans chicane, ça s'est très bien passé. Donc on laisse pareil. Et là, on va aller voir la troisième modification, qui n'est pas vraiment une modification en elle-même, mais que je préfère vous montrer parce que c'est pour une sécurité vis-à-vis des pilotes, parce qu'il y a eu de grandes inondations l'an dernier sur Mauléon, et la commune a fait de gros travaux. D'ailleurs, l'appel y est, et vous allez comprendre et voir les travaux. On arrive sur la dernière portion du prologue, la zone de Mendialde, avec la zone spectateur, la traversée de route au niveau des pompiers, on y est là, de suite, et la grande descente qui a été modifiée. D'ailleurs, vous voyez, il y a l'appel qui travaille, on pourra s'arrêter pour voir les travaux effectués. Donc ici la descente, eh bien là c'est exactement la même, elle a été reprofilée qu'il y a 2 ans. Mais au bout, là-bas en descente, on a mis des rochers, on laisse plus aller les pilotes tout droit. Donc c'est vraiment comme une chicane. Donc il faut pratiquement la prendre à l'arrêt, ou un peu plus vite, mais le but étant que les pilotes se remettent droit, parce que là on va quand même s'arrêter pour aller voir le creux à gauche. Voilà, ben tu vois, c'est carrément une chicane. Hein. Il faut vraiment le prendre au ralenti. Si on mord d'un côté ou de l'autre, surtout ici, on n'est pas sûr de sortir en ligne pour finir bien la spéciale. Donc quand tu vois, je crois que je vois ici, ils ont marqué ces 2,42 de profondeur. C'est impressionnant, quoi. Hein. Tu peux le filmer. Il faut vraiment que les pilotes soient en ligne pour lâcher les chevaux, pour pas qu'ils se retrouvent sur le bord. Le chantier aurait dû être fini depuis un mois. Et il continue tellement il y a de cailloux à casser, quoi. Voilà, donc grande prudence au niveau de cette descente. C'est pas les secondes qu'il y a à gagner ici, mais plutôt qu'il y a à perdre, je dirais.